Salut tout le monde, c'est Loïc. On se retrouve aujourd'hui pour une première écoute d'un projet intéressant qui sort un petit peu, j'ai envie de dire, du lot, qui est différente d'habitude. C'est pas une mixtape, c'est pas un album d'un artiste, c'est une compilation qui a été mise en place par le site slash Twitter Rap Plume. Et ça a l'air de pas mal du tout. Il y a 16 titres, il y a énormément d'artistes rap un petit peu de tous les genres, un petit peu de tous les styles, un petit peu de tous les horizons. Il y a des prods intéressantes. Je voulais du coup vous présenter ça, parce que de 1, le projet est courageux et super intéressant, et de 2, il faut donner de la force. Donc on s'écoute ça ensemble, il y a 16 titres comme je l'ai expliqué, encore une fois le lien dans la description, encore une fois, encore, comme d'habitude, il y a un lien dans la description de la vidéo pour l'écouter. Le projet est disponible sur Apple Music, Spotify, Google Play, Deezer, Tidal et bien d'autres. À la base je voulais l'écouter en privé. Je vous cache pas, mais c'est vrai que je suis sur cette page Twitter depuis quelques temps. Et quand je vois le travail qu'ils mettent derrière leur page, et aussi que du coup, quand je vois la tracklist encore une fois, je vois qu'il y a énormément d'artistes. Et j'imagine la galère que ça a dû être en fait de mettre en place un tel projet. Donc je me suis dit, ok, faut le faire en vidéo. Donc c'est parti, on s'écoute Plume sur iTunes. Il y a 16 sons. Son numéro 1, Depth de Holy Rain. Son en anglais, donc je sais pas si Holy Rain c'est un artiste français ou un artiste anglophone. J'ai l'impression que c'est un artiste français puisque du coup on sent que c'est rappé en anglais mais avec un léger accent. J'aime beaucoup la prod elle tape ouf, la prod elle est de MLG, donc big up à MLG et big up à Holy Rain. Mais en fait je trouve que ce qui est un peu dommage c'est quoi, c'est qu'en fait il y a trop de reverb sur la cappella, trop de reverb sur la voix. En fait ça fait un petit peu brouillon du coup sur la piste, un petit peu dommage. Je pense qu'une voix un peu plus claire ça aurait été un peu plus intéressant, surtout que la prod elle tape dur. Et du coup je pense qu'avoir juste une voix en fait qui se cale bien sur la prod de manière assez sèche aurait été bien plus intéressant pour ce son là. Numéro 2, Vrai Négro de Abd XXL. Abdel, on va dire ça. Donc du coup, Abdel, sur la tracklist, il y a marqué que ce son en fait il est produit par Damka Beats, mais en fait il n'y a pas de voix dessus. Est-ce qu'on m'a envoyé que l'instru? Ou est-ce que c'est le son comme ça? Est-ce que Abdel c'est Damka Beats? Je sais pas. Là j'aime bien la mélodie, un peu trop répétitive, les drums un petit peu trop sèches, un petit peu trop, j'ai envie de dire, banal. En fait ça manque un petit peu de rythme, c'est un peu dommage. Ouais, sans plus pour moi ce son là. Numéro 3, Stupid Shit de Made in Paris. Made in Paris, artiste français qui pose en anglais aussi, mais je trouve que ça sonne mieux que Holy Rain parce que du coup en fait il a un meilleur accent encore une fois et la voix encore une fois elle est un peu mieux traitée que dans le son de Holy Rain. C'est en fait grosse ambiance, très très dark, très très macabre, très très All Pharaoh de Travis Scott, son premier projet, que je vous conseille d'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc c'est vraiment très très inspiré de Travis Scott, on le ressent dans la prod et dans le flow du coup de Made in Paris. C'est intéressant, mais c'est un petit peu trop répétitif à mon goût. Numéro 4, Versus de King Dirt featuring Allosaurus. Ok, ce son là il est mortel, ce son là est très très fort. L'instru elle est violente, on sait qui a fait l'instru de... Pour bah Allosaurus, le mec il a fait l'instru et il pose en featuring. Très très grosse prod, le son il est mortel, les deux couplets sont hyper ouf, très très violents, très très dynamiques. J'aime beaucoup le rythme que ça apporte vraiment au son. Mélodie macabre encore une fois, mais là franchement ça va tellement bien avec l'agressivité des flows et des paroles. Petit point négatif, c'est quoi? C'est en fait, je trouve qu'au niveau du mixage, en fait, je trouve qu'il y a vachement d'aigu. Et c'est un petit peu trop dommage parce que du coup, en fait, le son, il perd un petit peu en médium et en moyenne basse fréquence. Parce que c'est un petit peu dommage, en fait. Il y a ce kick, en fait, il y a vraiment ce punch, en fait, qui est un petit peu perdu parce qu'en fait, les aigus sont trop élevés. Mais sinon, le son, il est très très lourd. Numéro 5, Pesos de Flaco. Ok, son là est très très lourd. Flaco, il me semble qu'on m'en a déjà parlé de lui pendant un stream, je pense. On m'avait envoyé un lien dans ses sons. Et c'est vrai que ce mec a du talent, franchement. J'ai vraiment beaucoup aimé ce son là. Il a un flow vraiment intéressant, il a un potentiel vraiment très très intéressant. Je vais garder un œil sur lui.
J'ai vraiment beaucoup aimé ce son-là. Numéro 6, Maléfice de Lil Sins. Daniel, trop de maléfice, mais le mal est fait. Dans les vies, par malheur, j'ai dû m'enfoncer. Le siège te rappelle est devenu foncé. J'en rate ma vie, c'est que la vérité. Pour moi, la peur, c'est pour la mérité. Le trésor dans mes rêves ne fait que briller. J'ai changé la donne, mais je suis déjà dedans. N'oublie jamais que Dieu donne, mais Dieu reprend. Son hyper lourd. La prod de Wensley Beats, elle est mortelle. Je sais pas qui a fait le mixage, mais le mixage, il est parfait. Juste, je pense que c'est plutôt la prod. En fait, c'est dommage qu'il n'y a pas assez de basse. Il y a une 808 qui apparaît en fait sur les couplets, mais qui est un peu moins présente sur les refrains, mais je trouve qu'elle n'est pas assez mise en avant. En fait, il manque en fait justement en fait, cette profondeur en fait, à l'instru, ça manque du coup de basse fréquence. Et c'est dommage parce que là, franchement, tout est bon dans la prod. Tout est bon dans la prod, la mélodie, le refrain, le genre de petit bridge qu'il y a. Franchement, le son, il est mortel, mais un peu plus de basse, ça le rendrait encore meilleur. Numéro 7, Distance de Jowell. Putain, Jowell, c'est vraiment un mec hyper talentueux, quoi. Le mec, j'ai découvert avec son clip High School, si vous l'avez pas vu, allez voir et écouter High School, c'est une dinguerie. Le mec, il avait un flow qui me rappelait un petit peu le flow des rappeurs début 2000, j'ai envie de dire, fin 90, début 2000. Mais en fait, avec une touche de modernité et... c'est ce qu'on retrouve là, du coup, en fait, avec une prod bien plus violente que High School. Et franchement, il kick ultra bien, j'ai vraiment, vraiment kiffé ce son-là. Peut-être qu'en fait, la prod, en fait, la mélodie est un petit peu trop répétitive, mais sinon, très très lourd, j'ai vraiment kiffé ce son-là. Numéro 8, Dinero Life de Young Cholo. Si je suis l'eau, le feu du god coule toute ta flotte. Me botte, ti tape dans cette dope. C'est vrai dans le sachet, purple dans le gobelet, mais ça ne vient pas de la marina. Si tu jacques ton bas dans la tête en public, comme l'a fait tonton Franck Lucas, hey. Dinero Life, intéressant, un bon petit délire. En fait, j'ai pas fait de refrain chanté. Le passage chanté, en fait, avec le dessus, je trouve qu'il est pas du tout en fait en accord avec la mélodie. La prod, elle est bien. En fait, elle fait très, très, j'ai envie de dire, encore une fois, dark, mais. Je sais pas, en fait, je trouve que voilà, c'est la mélodie, en fait, il manque des éléments en fait à la mélodie qui en fait se rajoute en fait à l'instru. C'est un peu dommage, mais le son il est bien. J'aime beaucoup le flow de Young Chulo, mais ouais, personnellement, refrain, j'accroche pas tellement. Et la prod, à revoir. Numéro 9, Mr. Burns de Thompson. C'est super spécial, mais. Ok, franchement c'est un délire. En fait, lorsque le son a commencé, déjà je trouve que déjà la prod elle est ouf. Big up du coup. Alors qu'est-ce qui a fait la prod? Prod, bah Thompson aussi. Le mec a fait la prod aussi. Donc franchement, big up à toi. La prod est super intéressante. Peut-être que le sample est un petit peu trop fort en fait au travers de la musique. C'est un peu dommage. Et en fait, ça manque un peu de kick. J'ai envie de dire un peu plus de punch. Mais je comprends du coup en fait l'idée en fait générale de la prod. C'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup du coup l'ambiance à la fois dark mais aussi mélodieuse avec le sample. Mais franchement, c'est vrai que du coup c'était assez étonnant, assez du coup inhabituel en fait d'avoir un flow justement avec une voix pitchée vers le bas, avec un effet radio du coup où tu coupes les hautes fréquences si je me trompe pas. C'est vraiment super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé le délire. C'est assez particulier certes, mais c'est assez particulier en fait pour vraiment attirer mon attention. Franchement, j'ai bien aimé. Numéro 10, hashtag no stress de Skrilly Boy, produit par Richie Beats. On se demande qui c'est. Ils nous ont fait le coup de Pinocchio. Hey. Franchement, je kiffe. Je savais pas trop en fait à quoi m'attendre, mais c'est vrai que Skrilly Boy c'est un peu plus du R&B moderne, j'ai envie de dire. Et franchement, c'est vrai que c'est très très ça en fait. C'est vraiment une grosse ambiance avec une prod assez dynamique. Et franchement, c'est vraiment une vibe de ouf quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé la prod et j'ai vraiment beaucoup aimé le flow qu'il a en fait sur ce son là. Un petit peu trop calme à mon goût. En fait, j'aurais bien aimé que du coup on entende un peu plus sa voix parce que je trouve qu'il a un joli timbre de voix. Donc du coup, ça, pour moi, c'est un petit peu dommage de mettre ça un petit peu en retrait. Mais ça reste un bon petit son d'ambiance. Numéro 11, Nuit de SYDS. Seeds. Quoi ça résonne, je crois que c'est ma musique inaudible. L'inverse m'attire, le white matrix, c'est mal matrix. C'est derrière une vitre en vue. Je pense à son corps qui se mouvoie. C'est si on parle des musois de ma voix. Hey, ce sera quoi le prochain disque? Tu vois, je sais pas répondre à ça. Je connais même pas celui-ci au moment où j'écris tout ça. J'ai pas raison, je parle quand même. Faut bien que je me défende. Sinon, comment je vais justifier mon mal?
J'aime beaucoup du coup le côté lyrical en fait de ce son là. C'est bien écrit, mais en fait je suis pas fan du flow utilisé par Sid sur ce son là. Je trouve que c'est un flow vraiment très très, j'ai envie de dire, classique, très très banal, c'est un peu dommage. Certes, c'est assez pratique en fait pour faire un petit peu de storytelling, un petit peu, j'ai envie de dire, raconter une histoire, donc storytelling, mais en fait du coup en y allant un peu plus de manière égotripante, j'ai envie de dire, comme il a fait un petit peu dans ce son là. C'est vraiment intéressant. Mais ouais, je suis pas fan de l'approche, je trouve que la prod elle est un petit peu trop basique, en fait, elle supporte pas assez ce son-là. Ça aurait été, en fait, c'est une prod qui sonne un petit peu datée, j'ai envie de dire, c'est une prod qui sonne un petit peu 2007, 2008, et encore, je suis gentil. C'est vraiment dommage, parce que je pense qu'avec une bonne prod un peu plus moderne, un peu plus, j'ai envie de dire, posée, un peu plus moderne, il y a moyen que ce son, en fait, puisse péter. Numéro 12, pas d'excuses de HZY. J'aime beaucoup sur la, franchement le son il est mortel, j'aime beaucoup le délire, j'aime beaucoup les paroles, du coup forcément le thème du son là. La prod elle est super stylée, mais je trouve que ça manque en fait un peu de mélodie, c'est un peu dommage, parce que la rythmique elle est là, le pad il est là, il y a cette petite en fait, cloche qui se rajoute du coup, mais c'est pas suffisant en fait, il manque en fait vraiment des instruments un peu plus de synthé, etc. C'est vraiment dommage, mais franchement j'aime beaucoup ce son là, j'aime vraiment beaucoup ce son là. Numéro 13, ça vient de Panam de Verso. Plus je connais deux trois putes, collé pour déconner dans le bus, va qu'elle juste ma pute, la bitch m'abuse. Hey, elle a reconnu ma tête, elle veut se marier, mais la petite blanche s'appelle Marion. Connue dans le quartier pour avoir tourné, je ne peux pas me retrouver dans un gros tourbillon. Hey. Ok, Verso c'est intéressant, j'aime beaucoup son flow, il a un flow vraiment très très, j'allais dire old school. Une façon de poser super intéressante, vachement technique, j'aime bien, franchement ça me plaît beaucoup. Mais la prod je trouve qu'elle fait vraiment défaut en fait, la prod elle est vraiment trop basique, trop simpliste. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup encore une fois la prod elle fait défaut à la musique. Alors que le flow et le parolier, l'artiste en fait, est bon en fait. Donc c'est vraiment dommage. Encore une fois, je pense qu'avec une autre prod, ça aurait été plus intéressant. C'est un peu dommage, mais le son il reste très très bon. Numéro 14, Pulse de Tila. Ok, Tila. Tu m'as pris un petit peu au dépourvu. En fait, c'est vrai que dans un album vraiment très très rap, avec quelques sons R&B, j'ai envie de dire, avoir une voix féminine posée aussi bien, franchement, ça me choque et ça me fait beaucoup plaisir. En fait, t'as une voix qui me rappelle un petit peu, j'ai envie de dire, un mélange de Her et SZA. Ça me plaît beaucoup, franchement. Donc, encore une fois, malheureusement, je trouve que la prod, elle n'est pas en fait adaptée à ta voix, que ce soit le kick, la 808, ou même la mélodie. En fait, je trouve que ça va pas du tout avec ta voix et c'est vraiment dommage. Il faut en faire un truc un peu plus léger, j'ai envie de dire, peut-être même un peu plus acoustique. Et je pense que tu pourrais trouver un bon combo. Et tu pourrais même exploser avec ce genre de voix. Franchement, t'as énormément de talent. Numéro 15, la O de Hachey Sen. Je pense qu'à mes rêves, le temps Covid, je le perds de vue. Donc je prends le relais, je cours si je tombe, personne ne relève. Hachey Sen, j'aime bien ton délire. Je trouve que c'est un flow super intéressant quand même pour un artiste qui chante comme ça en fait. J'aime beaucoup. La prod est bien. En plus, je crois que c'est toi qui l'as fait. Ouais, c'est toi qui l'as fait, Hachey Sen. Mais je trouve que en fait, la guitare elle est trop forte en fait. La mélodie elle est trop forte par rapport à ta voix et c'est un peu dommage. J'aime beaucoup. Moi, je sais pas trop quoi dire d'autre à part le fait que j'aime beaucoup. Numéro 16, dernier son, c'est terminé de Delati. Arrivé encore une fois un peu plus, j'ai envie de dire, posé, un peu plus sombre, j'ai envie de dire, quelque part par la mélodie. Intéressant pour clôturer du coup le projet. Delati, c'est vrai que c'est intéressant, j'aime bien ta voix, j'aime bien ton flow, mais je trouve en fait que c'est ton flow en fait qui, même s'il est bien sur son, en fait, je pense qu'il faut le travailler un petit peu. Il y a moyen en fait que tu aies du coup une manière du coup de délivrer un peu plus de mots à la minute, j'ai envie de dire. Un flow un peu plus rapide, je pense que ce serait mieux parce que du coup en fait ça manque un peu de dynamisme dans ton son. Après je comprends que c'est un son posé, mais un peu du coup comme d'autres artistes l'ont fait sur le projet, je pense que ce serait cool du coup d'avoir un petit peu ce genre de passer d'un moment super calme, etc. à quelques petites phases un petit peu plus rapides pour du coup en fait prendre en fait l'auditeur par surprise. Mais sinon, super intéressant. Bref, donc ma première écoute de
Plume, la première mixtape de rap Plume, qui du coup regroupe 16 artistes différents. Et franchement, c'était super intéressant. Franchement, mes sons préférés, je pense que c'est Stupid Shit, Versus, Maléfice, Distance, No Stress, Pulse, Malgré la prod. Mais ouais, franchement, je pense que ça, c'est mes sons préférés vraiment du projet. C'est vraiment un projet super intéressant, c'est vraiment audacieux en fait, vraiment d'une page Twitter en fait de faire ça. C'est bien réussi, non, bah, pour une première, c'est super bien réussi, donc franchement, big up à toute l'équipe de Rap Plume, c'est vraiment super bien travaillé. J'ai vraiment bien aimé le projet dans son ensemble. Ça, c'est des sons qui m'ont pas plu plus que ça, comme je l'ai pu l'expliquer. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est vraiment bien joué en fait de rassembler autant d'artistes différents sur un même projet. C'est audacieux encore une fois et c'est bien exécuté, franchement. Félicitations. Continuez à faire ça, c'est bien du coup que les artistes aient un peu plus d'exposition via en fait ce genre de projet. Je trouve que c'est super intéressant, super important. En tout cas, vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel artiste, quel son vous avez le plus préféré de ce projet-là. N'hésitez pas aussi à répondre au sondage qui apparaît en haut à droite de la vidéo pour me dire est-ce que vous pensez que ce genre de projet est super utile pour les nouveaux artistes. En tout cas, merci vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre à jamais la vidéo, partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle écoute. Ciao !